Initiating system one. System one loaded. Et ho ayo, c'est Gunshow et je suis de retour sur Final Fantasy Type 0. Donc c'est parti. Alors d'abord je ferai quelques réglages parce qu'à mon le son est un peu trop fort. Donc on va changer cela. Du moins avec ça ça sera mieux hein, je pense, ouais. Là, hop, on va se regarder, oui, ok, mais hop. On va vérifier, là, c'est ça. Donc ça c'est bon. J'essaie de mettre en manette pour voir les réglages et tout, sur une ancienne manette apparemment. Elle ne passe pas dessus, donc en gros, il nous faut une manette Xbox, quoi. Donc c'est un peu chiant. Donc je vois ça plus tard. Donc on va charger, hein, on va charger, hop, une partie. Ouais, c'est celui-là. Bon, c'est parti. Alors, je me rappelle, alors A, D, c'est pour là. Normalement, je passe mon clavier en QWERTY. Non, il veut pas. Ok. Bon, ben on va faire 100, hein. Allez. C'est parti. Elle est là. Bon, la cinématique est très très jolie, mais je vais encore la repasser, je pense. Ouais, je vais la repasser. On l'a déjà vu. On va pas se retaper, hein, on l'a déjà vu. Ouais, on va passer ça aussi, c'est la meuf là. Ok. Merde. ここは頼んだ。俺の番だぜ。ぶっ倒せ。任せてくれ。 défoncer la montagne. C'est parti.
notre aspirant. Ok. On va passer parce que ça on l'a déjà vu. Alors, Odin, ok, d'accord. Oh, je vais pas utiliser le. Ok, en fait c'est simple, merde, j'ai envie de faire ça, depuis le début. Ah, il faudrait se laisser charger et attaquer, foncer, ok d'accord. Ok. Oh. Fight. Oh my god. Vous avez changé de personnage. Oui. C'est quoi lui? Ah mais c'est le même. Nice. Il fait mal lui. Ok. Oh. Ok. Ok. On est dans la merde. Et ça. Ok, d'accord. C'est hard. C'est très hard. Je pensais pouvoir réussir, mais j'ai rien compris. Défoncé. Ok. C'est pas là. Bon. Échec numéro 2. Ça en passe. Hein? Passe. Bon, je sais comment passer le truc là. Voilà, t'es mort.
même temps niveau 99, l'Odin. Ok, vous avez changé de personnage, oui.
Chouette, le cristal de mana est revenu. Antatachua, ittai. Sono manto no iro. Uso. J'adore. Kyubi Chimok, le scumi to tsushi kuno. Bokono. Ittai nani ga okite iru nda. スザク・クリスタルの完全解放を確認。各地で魔法反応。録画地地点にルシ。スザクのルシが現れました。2084部隊、2088部隊、音信途絶。総員撤収準備。スザクにいる全部隊に緊急通達。現時刻をもって状況終了。撤退を開始しろ。撤退だ。早くしろ。 本部へ状況救急位置を伝達しろ。作戦は北の夜明けに移る。はっ。ここに来て覆されるとはな。作戦開始からわずか6時間、赤のマントをまとったアギト候補生クラス0の活躍により、スザク奪還作戦は 電撃的成功を収めた。そして彼らはこの作戦を機に歴史の表舞台に立つこととなる。 この度スザクに不幸な出来事が起こりました。先人の勇気と知恵が生み出した4カ国平和協定を踏みにじった 右手スコー国の悪しき行為の結果です。この悪も悲しく、悪も悲惨で、悪も不幸な事件により我々は多くの友を失いました。しかし今私は皆さんの前に立ち語りかけています。皆さんの持つ心、 我らの大地ルブルムとスザクのクリスタルを守ろうという崇高にして純粋な思いにより魔導員を取り戻すことができたからです。この偉業を成し得たスザクの勇敢なる戦士たちに心より感謝の意を表明します。もしあいちゃき オッケー。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 オッケ
ペリシティリウム総流を擁するコンコルディア王国は第二のアルテマランが使用されるのを避けるため、自国領空及び朱雀領であるルブルムの制空権防衛を開始した。さらにコンコルディア王国は戦火拡大を憂慮し、停戦への道を模索していたが、朱雀側はそれを完全に拒否することとなる。朱雀領ルブルムの多くは未だ公国の占領下にあり、侵略に対する事実上の譲歩となる停戦を行うことは受け入れがたい事態である。朱雀最高決定機関、通称八席議会は連日にわたり湿地奪還のための激しい議論を交わしていた。やはり現在の兵力では公国との全面対決は厳しい状況と言わざるを得ないのでは。首都防衛と重要拠点の解放を最優先とし、地方は切り捨てていくしかなかろう。戦力の不足は武士で補えばいい。甲型ではなかったとはいえ、公国は武士を用い侵略してきた。ならば我が国も武士をもって報復を行えばよいのだ。面白いことを言う。ルシが議会の要求などで動くと思っているのかね。しかし事実、我が国のクリスタルは敵国のルシによって脅威にさらされた。このような状況であれば彼らも嫌だというはずがなかろう。ルシがそのような原理原則に沿うのなら苦労はしない。ルシは朱雀クリスタルの意思によってのみ動きます。ここで武士について議論をしても解決にはならないでしょう。発言よろしいかしら。確か首都解放作戦に当たった候補生はクリスタルジャマーの影響を受けずに白虎ルシを撃退したと聞いています。その魔導技術を使い同等の兵士を作れないのでしょうか。遅くなったわ。あの子らと同じことは簡単にはできないわ。高度の機密事項だから技術開示も不可能ね。ドクターアレシア、クリスタルジャマーに関しては何か分かりましたか？そうね、私の計測だとあのジャマーは普通の人間に扱えるものじゃないわね。制御できるのはルシだけ。それとロリカ消失以後、大掛かりなジャマー使用は確認されてないようだし、ジャマーに関してはルシに何かがあって今は使えない状況というところでしょうね。そうだったとして現状を打開する策は何かあるのかね。候補生の戦闘介入。現在の防衛戦力をそのままとし現状を打破するに最もふさわしいかと。アギト候補生ともなれば戦力になることは間違いありませんが、しかしペリシテリウム守護の拡大解釈にならんかね。ルシが動かぬのでは選択の余地はなかろう。そうですね、院長様のご判断を仰ぎましょう。今は朱雀存亡の時です。誰もが試練にさらされています。アギト候補生たる彼らは朱雀のための戦いを厭わないでしょう。
それでは議会での正式な採決をしましょう。Place de la Fontaine. Oh, c'était après ça. Ok, je me retrouve avec. Avec. Ton héros. Était donc frais. Les aspirants au cap vermeil ont mis un fait un ceci. Le tigre blanc qui est acquis avec la sphère. Jusqu'à maintenant, j'avais du mal à croire que c'était vraiment la classe 0 qui n'en trouve pas une légende. Vous voyez ? Alors, vous devez d'abord aller à l'amphi 0 après avoir parlé à votre commandant. Vous serez les élèves à part entière. Pour vous rendre à l'amphi 0, rentrez dans le hall et continuez à prendre une première approche. Ok, merci. Une fois que vous aurez parlé à votre commandant, dans l'amphi 0, vous serez officiellement l'aspirant d'Acamedia. D'Acamedia. Quelque chose. Je sais que vous allez être désoccupé, donc voyons tout cela ensemble. Ok. Ok. C'est le plan de la ville, ok. Ça c'est pas mal ça. Ok. Merci. Bon, ça c'est vers le policier. Tac. Voilà, Ace, je t'attendais mon chéri, avant que tu t'intègres officiellement à la classe 0, il y a quelque chose que je voulais te dire. Deux nouveaux élèves vont rejoindre la classe 0, ils portent la même cape que vous. Mais c'est tout ce que nous avons comme je sais que tu récoltes l'anima comme je te l'ai appris, et c'est très bien. Nous aiderons à collecter l'anima, par contre, ils n'ont aucune idée de ce qu'il sait et je préfère qu'ils ne le sachent pas. Okay. Tu sais que peu sont capables de collecter l'anima et ce qui est. Enfin, ceux-là sont soit la classe 0, soit du département de la magie. Plus important encore, parmi ces personnes, très peu savent ce qu'est réellement l'anima. Ces nouveaux élèves officiers vont rejoindre la case 0, par contre, nous resterons dans la nature de l'anima.
même s'ils vont être, des camarades de classe au chemin de ce qu'on prend. Il n'y a que vous et tous à vous qui comptent vraiment, n'oubliez pas. Ok, charmante la même. Genki-so, ne? Alors, tout ce que tu ne sais pas concernant l'anima, c'est qu'il s'agit de la source de notre magie. Alors, arrête de vouloir en savoir plus. Ok. Ok. Ça, c'est pour sauvegarder. Ok. On va faire une petite sauvegarde. Hein. Une petite sauvegarde. Alors. Voilà. Sauvegarder. Ouais. Voilà. Voyons voir niveau de difficulté. Bon, ça, on va le laisser en aspirant. Amélioration de compétences. Alors, oh, j'ai tout ce monde. Oh, my god. Bon, d'abord, on va essayer avec. On va voir qu'est-ce que je peux faire avec Ace. Est-ce qu'il est libre, sachant garde. Tir spécial, attaque prolongée. Permet de faire une quatrième attaque lors d'un combo d'attaque normal. J'ai combien de points que j'ai accumulé 6 points. Peut-être ça. Tirage paralysant. Moi je peux mettre ça comme ça. Ça pourrait être pas mal. Parce que si. Ok. Attaque rapprochée. Ok. Bon, du moins avec ça, normalement, j'aurais de quoi faire, je pense. Charge d'énergie, attaque prolongée, du moins, je peux faire quatrième attaque lors d'un combo normal. Permet d'attaquer les ennemis à proximité avec un 1 plus F. Ok, d'accord. Bon, j'ai un peu peur. Qu'est-ce qu'il y a? Dots. Acuité. Combien de points? Voilà, 7. Donc, pour l'instant, c'est pas d'utilité. T'as combien de 8 points toi? Triple esquive. Rappé. Esquive infinie. C'est intéressant ça. Hop. On met esquive infinie. Intéressant. Ça permet d'enchaîner l'esquive indéfiniment. Comme ça au moins, ça c'est bon. Caster. Cutter plutôt. Ok. Tir élémentaire. Affaiblissant. Non. Regardez ça. Ok. Ok, utilisez les flingues. Utilisez l'arc. Une flûte. Ok. Une masse géante. Sérieux. Attaque chargée. On va prendre ça. Choc sismique. Ok. Elle utilise une grande faux. Ouais, ça c'est bon, stylé ça les faux par contre. Ça comme compétence. Tout à fait, on va prendre ça. Ok. Donc ça c'est bon. Je préfère le faire quand même, on sait jamais, ça peut être vraiment utile si j'ai besoin après, si je les ai ensemble, enfin du moins les personnes, les personnages, du moins ils seront OP en compétence. Ah, faire plein de coups en réduit, ok. Ok. Enfin c'est des, on va dire c'est des améliorations, ok d'accord. Ok, toi t'as ça, style rafale. Et... faire en frapper le sol pour créer une onde de choc avec. Ça c'est utile. C'est renforcé. Rafale renforcé. Uppercut vengeur. Permet de donner un puissant uppercut en appuyant sur F après être tombé. Okay. C'est bon ça. T'as plus de points. Alors, 9. Alors,
Toi t'es... Ah ouais, c'est avec le mec avec lance. Yogi est stylé celui-là. Rapidité. Ok. Alors Jack. Et toi aussi je crois que je t'ai testé. T'es pas mal. On va te mettre une arme puissante en plus. Ça prend, tu peux pas la prendre pour l'instant. Alors, Queen. Ah ouais, la fille. La fille avec sa, son épée longue là. Cours rapide. Et King, je tue pas encore. Ah si, je crois, attends. Non, non, j'ai pas vu. Avec les pistolets. Ok, pas l'explosif. Ok. Bon, du moins on peut faire ça. Caractéristique. Okay. J'ai pas d'amélioration. L'équipement, alors. Ok, je peux pas l'enlever. Attends, il faudra assez. Ok. Ah, de toute façon, j'ai que ça, ok. Bon. On va te laisser ça toi. Ok. On va faire une petite sauvegarde. Hein. Sauvegardons tout ça. Hop. Ok. Donc là, tac tac. Entre personnage. On va vérifier. Alors. Toi. Quand même, je vais garder la Queen. Ah ça c'est pour choisir, ok, c'est pour choisir notre personnage. Je vais pas j'ai rien ça avec les autres. Ok. Sur Final Fantasy type 0. Donc je vous dis à plus tard, c'était Gunshow, bye bye.